Bonsoir tout le monde, c'est TheGamer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre vidéo sur South Park, la troisième épisode. On va continuer ce qu'on était rendu. On a sauvé le. On a sauvé le hamster de Spark Craig. Hey, toi, tu serais pas un ami de Craig? Tu cherches Craig? Moi, disons que je suis un collectionneur d'art spécialisé dans une forme d'art asiatique délicieusement moderne et extrêmement troublante appelée yaoi. Dingue, non? Mais certains acheteurs sont prêts à payer ça une fortune. Si t'en trouves au cours de tes aventures, apporte-les-moi. Je serai te remercier. Pas 17. On aura trouvé d'autres. Premièrement, on va aller un petit peu fouiller. Ah là. Je sais pas si on peut faire des affaires là-dedans. J'ai jamais su si on fait. Si on fait des garde-robes, je sais pas si on peut les ouvrir. On va aller aux toilettes. Toilette des tacules. Yeah. Ok, il faut que. Excuse là. Ok, c'était facile. Allez, comparé à celui qu'on a fait là, le dernier. Yark. Ça. Bon, on va aller en bas. Me demande qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tous les objets qu'on a. Pas mal, le nouveau pas mal. T'as obtenu quelques followers sur Instagram, j'avoue. Mais c'est loin de suffire. Je pense que tu es prêt pour l'étape suivante. Reviens au repère du Kun. Terminé. Alors, le repère du Kun. C'est là-bas. Il va falloir que je parcours ça. Ça, je peux faire quelque chose de mieux. Oh my god. Le nouveau stop. Tu vois ces petites briques de Lego rouge? C'est de la lave. Si tu essaies de la traverser, tu crèves. Ne la touche pas. Attends, mais ça n'a aucun sens. Qui mettrait de la lave ici? Prenez ça, la bande. Professeur K.O. Exact, Kun. J'ai placé de la lave aux endroits stratégiques de la ville. Sinon, ce serait trop facile. Ce monde manquerait d'intérêt sans un peu de K.O. C'est bon. On s'occupera de K.O. en temps voulu. Pour l'instant, ne perdons pas de vue notre objectif. Kun, terminé. Mais ça serait genre les missions secondaires? Pas de traverser sinon je vais crever. T'as juste voir quelque chose d'autre. Ouais, ça va te prendre un feu. Trop dur. Devenir un super-héros, c'est plus dur que tu croyais, pas vrai? Bon, t'es vraiment un gros naze, mais j'ai quand même pitié de toi. Comme ton père a baisé ta mère quand t'étais gamin, tout ça. Viens voir ici. Je vais t'apprendre 2-3 trucs sur les artefacts. La plupart des héros boostent leurs capacités grâce à un équipement spécialisé. Tu vois ça? C'est un artefact de puissance. Oh my god. Tu trouves ça un peu partout en ville. Le truc, c'est de les mettre dans tes emplacements d'artefacts. Vas-y, essaie pour voir. Un spinner. Chaque artefact a un emplacement spécial sur ton corps. Utilise celui-ci pour booster tes stats. Ok, ouais. Un spinner, ça va. Plus de dégâts critiques et récupération de santé. Voir les éléphants, équipe-toi d'artefacts plus puissants. Ça, c'est un artefact. Ok. Tu quittes la puissance. Alors, ton rang pour débloquer le. Ok. Ça va te piquer un peu au début. Ton ADN est en train de fusionner avec. Tu trouveras d'autres artefacts au cours de tes aventures de super-héros, et tu peux même en construire toi-même. N'oublie pas, de grands pouvoirs, ça veut dire des meufs canons et beaucoup de pognon. Je sais des classes à tout moment. Je pense que maintenant tu es prêt à affronter ces sixièmes. Va leur péter la gueule. Ok. J'ai combien? J'ai 2. On reviendra ici plus tard parce que... C'est quoi? C'est des... Des recettes fabriquées, des composants. Ok, fait qu'il y aura plein d'affaires à acheter. Mais aussi, je peux vendre mes affaires. J'ai 6. S'il y a des affaires que j'ai plus de besoin, genre qu'est-ce qui coûte cher.
Ça vaut cher les antidotes. Ça, me semble, ce que j'ai vu, ça peut être donner de la vie. Ça peut être, ouais, ça, quand aux batailles, tu peux. Ça te met de l'esprit sort. On va aller. T'es ok, de la cage, alors super rapide. Ok, ouais, ça, je sais c'est quoi. Cherche-en d'autres, ça te simplifiera la vie. Accès d'avoir un lancement rapide de la rue principale. Celle-là? Ah, comme ça, on pourrait se déplacer de point en moins. Ça va être genre des points rapides. Des déplacements rapides. Après, de tout marcher, ça prend du temps. Ben, je pourrais. Minou, viens là. Viens, Minou, Minou, Minou. Balance-moi un caillou. Non, c'est à moi de lui lancer un caillou. Hey! C'est foutu! Ah, ouais. J'ai une craie. On va vraiment se battre contre les sixièmes? Pas ouais. De quartier, les mecs! Jolie tenue, ouais! Ok, oh shit. Ok, voyons ce que tu sais faire, le nouveau. Difficulté des combats. Je vais être héroïque, c'est normal. Tu peux changer avec ce temps, mais. Ok, fais. Yay! Un tour de plus. Là, je fais plus de dégâts à cause de mon artefact. Il y a un gars derrière. Ok, ça c'est nice. Il y a un gars derrière. Ouh! Boum! Ça te fera une belle cicatrice. Oh! Ok, là, par exemple, je vais me faire péter. Croûte de piment. Ça craint pour toi, le nouveau. J'ai pas mal de problèmes en ce moment et vous cogniez dessus et l'un d'eux. Prends ça, CM1! C'est tellement n'importe c'est quoi. Mon tour maintenant. Ok, lui c'est juste un coup de poing. Deux coups de poing. Tu demanderas à ton petit copain de te masser. J'aime ça découvrir aussi. Qu'est-ce qu'ils font de ballon de pisse. Excusez-moi, mais je dois pisser dans un ballon. J'espère qu'on va réussir à bâcher ça. Ok. Ça vole en nul. Enfoiré de CM1. Quoi? Je peux utiliser déjà le ramener les membres de ton équipe. Hé, hey, va chier, je suis super Craig. Stupid Craig? J'ai dit va chier. Ah ouais? Méga coup de poing. Boum! Les sixièmes, ça meurt pas! On est immortels! Qui emmerdez maintenant? Pourquoi pas vous? Ah ne te laisse pas abattre, Trudu. Pour des CM1, vous êtes du genre bagarreur. Oh. You! C'est parti. Ce coup ne fait pas de dégâts, mais il me donne un bouclier et met l'ennemi en rage. La puberté, ça te donne envie de tuer tout le monde? Essaie de pas crever, le nouveau. J'ai pas crevé, inquiète pas, man. J'ai vu des étoiles. Boum, là on l'envoie pas à l'autre. Qu'on fait mal. Ultime prêt. Tout mort. Qui sera le suivant à part droit à ma rage? Ça te plaît, CM1? Autant t'habituer à ce qui t'attend. Ok, c'est quoi son power-up? Lève-toi, what? On les a battus sans toi. Yes! Feuille! Ok, ok, j'ai gagné de l'argent, nice. Prochain. Dix-sixième. C'était carrément charmé. On forme une super équipe! Oui. A plus, mec! Génial, c'était trop cool! Attends que toute la ville apprenne que le coup des sabords ont éclaté 4 sixièmes! C'est de la bombe pour notre franchise! Bon, après, ça craint un peu pour toi parce que les sixièmes vont vouloir se venger. T'aurais sans doute pas dû faire ça, c'était vraiment con. Bon, allez, va choper d'autres followers pour notre franchise! J'arrive là-bas. Attends voir, t'as pas rempli ta kryptonite? Alors quoi, t'es invincible, c'est ça? Tu te fous de ma gueule, c'est contre les règles. Tu dois avoir une faiblesse.
Va voir le moustique, il pourra t'aider. Je mets les autres infos de ta fiche de perso sur ta carte. Dépêche-toi d'aller faire des missions de super-héros. C'est le seul moyen de remplir ta fiche de perso. Bang. La rue principale. Félicitations, le nouveau. Ton système de déplacement rapide est totalement en service. Trouve d'autres points pour étendre ton réseau. Et si t'as des ennuis, Quickie sera là pour toi. Salut. Ok, donc lui, c'est sûr. Il va nous pogner, puis il va nous amener au point où ce qu'on veut. Quickie. Une de nos filles va venir s'occuper de toi. Il est vraiment mignon, non? Et il ne manque pas d'appétit. Ouais, je me suis envolé dans les airs et j'ai massacré tous les méchants. Ah, je ne savais pas que les moustiques étaient si costauds. T'as déjà entendu parler du virus Zika? Une autre portion d'aile de poulet, trésor? Ouais, mais ça sur ma note. Quelle générosité! Hé, hey, casse-toi, c'est mes meufs! T'es quel super-héros d'abord? Oh mon dieu, la mission! Mes copains super-héros, j'avais complètement oublié. Arrière, tentatrice! Le moustique sait ce que vous essayez de faire! Mais de quoi tu parles, petit? Les filles du Reza sont la kryptonite du moustique. Il faut que tu me sortes d'ici. D'accord, voilà l'addition alors. Ah, sûrement pas. Vous avez essayé de m'ensorceler, je ne paierai pas. Tu dois laisser un pourboire, merde. Il va falloir qu'on se batte pour partir. Allons-y. Oh. Je me bats contre... Oh my god. Bah, les filles du Reza. C'est une grosse erreur de s'en prendre au coude et à sa bande. J'attends la commande. Mais va falloir refaire ta garde-robe. Il faut qu'on ramène le moustique à la raison. Je me sens tout excité. Trouvez-vous votre propre acteur. Oh, faut aussi battre moustique. Oh, ok. Ok. Je vais mettre un... Là, on le voit. Boum. Oh, je suis visible. Boum, boum. On va la pousser. C'est peu commune pour un mortel. Boom. J'ai posé 3 des 9 BD que je disais pour regarder ça. Tout va bien ici, super. Ah, va griffer. Quoi? Ah, super Craig. Ouais, on ne peut mieux. Je suis tellement contente que vous soyez là. Je te laisse pas abattre. Mais il faut en mettre des gueux. Si je cogne un moustique pour rompre le charme, il risque de mourir de toute manière. Mais la raclée à l'ancienne servie froide. Qu'est-ce que vous êtes jaloux de mon aventure romantique? C'est le moment de te casser, on s'en trompe. Change de place à canalier et soigne-le. Alors je saignais. J'ai des soins, j'ai des soins. Nice. Tiens, ça va le faire. Quand on vous aura cassé la gueule, ça vous dirait un calendrier? Oui. La prochaine fois, je frapperai aux yeux. Alors, qu'est-ce que ce sera? Ah, je te plains, mec. D'accord, à mon tour. Viens me chercher, enflure. La rage. Je ne me sens pas bien. Alors les mecs, vous vous amusez bien? Oh non!
Sérieusement, les mecs, les ailes sont vraiment bien. Ne touchez pas à la bombe de ma vie, les mecs. Tu prends pression au max. Ok, elle, je vais la péter là. Pas cool. Par exemple, je suis mort. Booyah. M'en fous tellement d'algué, il va reculer. Où est-ce qu'il y a Sparkrai là-dedans? Salut trésor, j'espère que vous passez un bon moment. En fait, je m'en fous. Ah, t'as essayé nos ailes de poulet double choc? Oh, je vais enfin y aller, merci. Ok, elle va la crêter. Méga coup de poing! Ouais, boum! Marque-toi. Je vais vous montrer d'où vient le double choc de nos ailes de poulet double choc. Du sang frais, donc. Aïe! Oh super, il y a encore de l'eau, moi. Ok, je vais bien. Prenez râle, putain. Je voulais commander une citronade, mais j'imagine qu'il est trop tard. Aïe, tu as gagné. Assez de vitaux. Bon, ok. Alors j'ai battu les feuilles du réseau. Allez, voilà notre chance. Ces fils sont ma kryptonite. T'es arrivé juste à temps pour me sauver. Je t'en serai éternellement reconnaissant. Trou de héros. Et toi, c'est quoi ta kryptonite? Tu peux pas être un super héros sans avoir un truc contre lequel t'es impuissant. T'as une phobie en particulier? Un complexe? Je sais pas. Bah allez, il y a forcément quelque chose. Écoute, c'est bon, on est dans le même camp, truc. Tu peux me le dire. D'accord, d'accord, fais voir ta fiche de perso. Les hommes crabes, les vampires, les ninjas, les vieux, les qualités. C'est une décision importante qui te suivra toute ta vie, jusqu'à ce que tu changes d'avis. Alors, hop crabe. Prends les hommes crabes. Ils ressemblent à des gens. Ils veulent renverser l'humanité, franchement. Non. C'est quoi? Je prends les vieux. Ouais, les vieux sont dégueux avec leur ride et leur sagesse, ça va. Sous énergie anale, kryptonite vieux. C'est fait, ta kryptonite est indiquée maintenant. Bon, le moustique doit filer. Appelle-moi si t'as besoin de moi, copain du coude. Le moustique. Allez, pour éviter ton équipe. Ok. Bon. Je crois qu'on va arrêter là. Merci d'avoir regardé la vidéo. Laissez un like pour savoir si vous aimez la série. C'était l'épisode 3. Laissez des commentaires. Partagez si vous l'aimez. Et surtout, abonnez-vous.